Jeudi 9 février, nos confrères du Point ont publié un article sur Brigitte Macron, afin d'apporter un éclairage sur l'entourage amical de l'épouse du président de la République. Encore plus discrète qu'elle ne l'était pendant le quinquennat précédent de son mari, la première dame ne dévoile que très peu ses liens avec d'autres personnalités politiques, mais aussi issues du milieu culturel. Et pourtant, celle-ci est très appréciée par de nombreux ministres, et même acteurs. Quoi qu'il en soit, afin d'éviter notamment que des oreilles indiscrètes ne partagent trop d'informations sur sa sphère privée, la femme d'Emmanuel Macron a tendance à davantage profiter de sa famille, en qui elle peut avoir une entière confiance. Et pour ce faire, depuis la crise des gilets jaunes et la propagation du Covid-19, elle a pris l'habitude, avec son époux une fois le week-end venu, de se rendre à la Lanterne. Ce pavillon de chasse situé à Versailles, et qui est devenu une résidence d'État, est donc le lieu idéal pour Brigitte Macron, le président et leurs proches, qui se réunissent chaque samedi soir, sauf impératif majeur à l'étranger. Supérieur à Brigitte Macron, ses plus beaux looks blancs, un lieu dont le dispositif de sécurité a été amélioré, les trois enfants, Tiffaine, Laurence et Sébastien Nozières, et les sept petits-enfants de la première dame sont donc présents pour ce moment en famille important, qui permet à tout le petit groupe de rester loin des paparazzi. En effet, comme le souligne Le Point, depuis 2021, année durant laquelle un drone a survolé la Lanterne, le dispositif de sécurité du lieu a été d'autant plus renforcé pour que le couple présidentiel puisse jouir d'une totale intimité. Ainsi, Brigitte, Emmanuel Macron et le reste de leur famille proche peuvent régulièrement passer un samedi soir agréable qui, parfois, dure jusqu'au dimanche matin. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jonathan Rebo à Panoramique.